狗屁狗，金金金狗屁狗，有爱啊狗屁狗，金金金狗屁狗。Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, je vous explique. En fait, je me suis dit, en fait, on voit jamais ma journée quand je suis productif, ce que je fais de ma vie, etc. Pas que quand je dors, mais quand je suis productif, quand je veux tourner des vidéos, etc. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas montrer ma journée. J'ai plein de choses à faire. Aujourd'hui, je dois faire une collab, je dois répondre à mes mails, je dois aller chercher un truc pour faire une vidéo YouTube, et je dois filmer, je dois faire des photos. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous montrer une journée de influenceuse, selon moi, enfin, ma journée à moi. Donc, voilà. Donc là, il est midi, j'avoue, moi, je vais pas vous vendre du rêve, hein. Je me réveille pas à 9h. J'avoue, je mets toujours un réveil à 11h grand max. Avant, j'abusais. Mais maintenant, depuis un moment, je me réveille à 11h. Enfin, je me réveille à 11h. Après, je traîne dans mon lit pendant une heure. Et après, voilà. Moi, je suis pas une meuf qui mange le matin, déjà. C'est très, très rare. Des fois, je mange, des fois, je mange pas. De toute façon, là, j'ai pas faim. J'ai pas envie de vous montrer, en plus, de manger, pardon. En plus, j'ai mes règles, donc j'ai pas très faim. J'ai plutôt très mal au ventre. Mais bon, règle ou pas règle, les filles, aujourd'hui, on a du boulot. Donc, on va bosser. Je vais d'abord m'attacher les cheveux. Hier, les filles, j'ai reçu des cheveux de chez ICR que je dois du coup custom. Je vais vous montrer. Hop. Bon, on voit pas trop, c'est pas grave. Donc j'ai reçu des emails chez ICR. Donc la voici. Je vous explique mon problème. Donc c'est une perruque blonde 613. Alors c'est une 24 pouces. C'est une tulle. Voilà, donc en ce moment, moi j'aime trop. Et en fait, j'ai envie de faire une couleur, je vais vous la mettre ici. Espérons que je réussis, elle est juste là. Donc pour cela, je regarde les tutos pour faire cette couleur. Et en fait, je vois qu'il faut cette couleur. Et cette couleur, donc tu vois, que tu mélanges, tu mets 2-3 gouttes pour que ça fasse assez clair. Mais votre Keshi, elle est super bête. Déjà, je cherche la couleur partout. Je me dis, mais il faut que je trouve cette couleur, il faut que je trouve cette couleur et tout pour la faire. Il faut que je la fasse. Il faut pas que je la fasse à l'eau, il faut que je la fasse à la main. Je la cherche. Je me dis, oh là là, comment je vais faire pour la trouver? Je vais dans toutes les boutiques de couleurs de ma ville. Impossible. Je me dis, oh non, comment je vais faire? Je suis dans le pétrin et tout. Du coup, ma cousine, comme par hasard, elle m'appelle. Je lui dis, ouais, t'es où? Elle me dit, je suis à Paris. Je dis, s'il te plaît, sauve-moi la vie. Il y aura que là-bas que tu vas trouver la couleur. Elle me dit, d'accord, sauf que moi, je ne lui précise pas qu'il me faut que. Il me faut deux bouteilles et non une bouteille. Forcément, elle m'en ramène qu'une. Mais j'en ai besoin de deux. C'est-à-dire que là, je vais me retrouver à aller jusqu'à, je crois, dans le 94, à Choisy le Roi, à aller trouver la coloration pour faire une couleur, tout en sachant que je dois filmer après, que je dois la custom, que je dois me préparer, que je dois faire des photos avec cette perruque. Je ne sais pas, avant le coucher du soleil, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, à quelle heure je vais réussir. Enfin bref, ma journée est une catastrophe, voilà. Donc vous savez tout. Là, pendant tout ce temps, il est déjà midi, je me suis déjà barbouillé la tête et tout. Je vais répondre à mes mails. Et voilà, c'est parti mon kiki. Hein. J'ai répondu à tous mes mails et tout. Je vais faire quoi? Je vais ranger ma chambre et après on va pour partir. Genre je vais faire mon lit et tout et après je vais faire mon lit, etc. Et après c'est bon. Là, on a mon dressing qui est tout rangé. Les filles, j'ai acheté ça à Ikea. En fait, moi, la nuit, je lis. Et du coup, oui, Keshi a lit. Et du coup, c'est une lampe. Regardez, j'allume. Elle est super puissante. Elle éclaire toute la pièce. Et en fait, elle me permet de pouvoir lire. Je peux la régler. Hop, je peux la mettre où je veux. Je peux la mettre comme ça. Enfin, elle est trop bien. Je l'ai acheté 14€. J'ai aussi acheté plein de petits spots comme ça. Comme ça, je vais vous montrer. Qui éclaire. Boum. Voilà. Hop, c'est trop bien, regardez les filles. Bon, la nuit on voit bien, mais alors c'est trop trop bien. Ça éclaire tout. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. Ça, je les ai achetées à Action et elle marche à pile. Et je suis trop fan. Bon, faites pas attention à mes vêtements. Voilà. Franchement, ce que j'ai acheté, j'aime trop. Donc,
Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'habiller et go à la recherche de la couleur. C'est parti. Ah, j'ai envie de pleurer, purée. J'ai trop envie de pleurer. Mais c'est parti, on y va, j'espère que je vais trouver. Je vais faire une boutique encore dans ma ville, en espérant qu'elle y ait. Et ensuite, je vais faire un tour. Si elle n'y est pas, je dois aller dans 94, quoi, choisir le roi. Donc, on croise les doigts, les filles, c'est parti. Je vais m'habiller et on se retrouve dans la voiture. Les filles, est-ce que quelqu'un de normal il j'ai pas de truc pour tenir mon téléphone. C'est-à-dire que là, comme c'est là, je filme comme je peux. Là. En plus, on est dans ma nouvelle voiture parce que j'ai acheté une nouvelle voiture. Donc, je suis trop contente. Attendez, je vais essayer de vous mettre bien quand même parce que je vous respecte pas. Là. Attendez. Normalement, là, les filles, on est bien. Donc, on s'en va. Direction. La direction. Je vais voir si je peux vous trouver. Enfin, si je peux. Je vais voir si je peux trouver ce que j'ai envie. J'ai pris une glace parce que j'avoue, j'ai fait la meuf. Mais je commence à avoir faim. En plus, il fait super chaud. Ouh, j'espère trouver. Oh my god. Je vais acheter ma nouvelle voiture. Je vais vous faire un carrefour. Alors, en fait, c'est la vidéo que je dois tourner. C'est le carrefour et tout. Et en fait, il faut que je sois trop belle en fait. Parce que ma nouvelle voiture, je l'aime trop. Donc, il faut que je sois trop belle. D'ailleurs, là, je suis en réserve. Il faut aller mettre l'essence. Donc, on va le faire tout à l'heure, je pense. J'ai réfléchi. Je sais pas. Les filles, croisons les doigts. Donc, là, je me dirige vers la première boutique. Je pleure plus là. S'il n'y a pas. Franchement, aller jusqu'à à choisir, ça m'intéresse vraiment pas. Mais vraiment pas. C'est à 25 minutes de chez moi en voiture. Est-ce que vous vous rendez compte qui peut aller juste pour un pot de couleur à 25 minutes de chez soi? Ah, on m'a dit Body Minute, je vais appeler Body Minute. Pas Body Minute, comment ça s'appelle là? Le Libellule, voilà. Je vais appeler avant d'aller parce que j'en ai marre de me déplacer partout pour rien. Oh non. Voilà, il est là le problème, c'est que là. Comment qu'on me regarde? Eh, on n'est pas les pros, nous? On sort du premier coup. Les filles, je monte la boutique. Elle est juste là. Vous voyez le beauty truc là? Pour celles qui habitent à Évry, qui sont du secteur, c'est en face du marché. C'est une boutique où il y a plein de trucs pour les cheveux. J'espère les filles, on va trouver. Allez, c'est parti. Vous aurez ma réaction de toute façon. Dans très peu de temps. À tout de suite. Ils ont pas. Putain, ça me saoule. Hein. Ça me fait partir dans le 9-4 pour une couleur. Et alors, le pantalon, si je la rate cette couleur en plus. J'imagine, je la rate. Ils, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que j'arrive, je vois, ils ont toutes les couleurs. Je demande, oui, vous avez la référence 58. Ah non, on a plus. Ah ok. J'ai plus qu'à faire ma vie maintenant. J'ai trop envie de chialer là. Ils ont plus. Mais bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais aller à choisir les filles. J'ai pas le choix. C'est pas comme si j'avais le choix. C'est d'abord aller mettre de l'essence et puis. Bref, je vous reprends si je la trouve ou pas. Puisque là. Voilà. Bon bah. À plus tard. J'ai trouvé, je suis trop contente. J'en ai pris deux, hein, comme ça. Je suis sûre. Mais. Que c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis trop contente, wesh. Allez, je suis heureuse. Ça, c'est ce qui s'appelle une grâce. En plus, il fait super chaud. Oh là là, my god. Il fait chaud, hein. Waouh. Donc j'en ai pris deux. Comme ça. 5800. Avec, j'ai pris ça aussi. C'est pour faire des boucles.
pour bien qu'elle puisse rester et tout. Parce que là, je vais me coiffer et tout, ça va être chaud là. Là, ça va être chaud. Donc là, il est quelle heure? J'ai appelé Farida parce que je voulais aller chez elle. J'ai trop chaud, j'ai même à nuire. Mais au final, elle va voir Gombo. Donc je pense pas chez elle. En fait, je voulais que c'était bouché à l'aller. Je voulais pas me retaper les bouchons. Ça m'aurait permis de voir sa maman et tout. Mais du coup, bah, elle n'est point là. Je suis sur le trottoir, les filles. Je vous ai pas dit, je me casse en vacances pour mon anniversaire. Je pars, je me casse, je fly by. Vous verrez une fois là-bas, une fois que voilà, mais c'est pas bon, vous allez voir. Mais moi je dis jamais, en fait, moi je dis jamais où je vais. Je crois que j'ai toujours été comme ça. C'est ma mère qui m'a appris à dire quand tu, la date que tu pars et où tu vas, tant que t'es pas dans l'avion. Je ne dois pas dire, tant que t'es pas, tu vois. Donc j'ai pris cette habitude là. Je sais pas si c'est ma grand-mère ou ma mère, je sais pas c'est qui fait ça, mais du coup je dis pas. Donc voilà, donc vous allez savoir quand vous allez me voir là-bas. Mais I'm so very happy. Ouais, je suis trop contente. Là, je vais faire ma bête de couleur. Comme ça, aujourd'hui, on est belle. Il est quelle heure? Il doit être 13h passé. Qui va me laisser passer maintenant? C'est ça le problème. Je rentre chez moi. J'espère que je vais rentrer vite parce que les bouchons là. Ah! Non, bref, les filles, je vous reprends plus tard. Une fois arrivée à la maison. À tout à l'heure. Dans les bouchons dans ma voiture, en fait il faut que je recharge la clim, mais là je suis avec ma wig, je mets la custom dehors parce qu'il fait beau carrément. J'ai pris une douche, les filles, je me sens trop bien là, je me sens propre, je me sens bien, j'ai remis mon boubou pour être à l'aise et là je vais custom ma petite wig et voilà, voilou hein. et puis voilà, voilou, c'est parti. Je vais faire la petite couleur. Attendez, je vais enlever ça sur ma mère, elle va me boire. Si ma mère, elle va me permettre de faire des choses que je n'aurais point fait si elle aurait été là. Donc là, on a la wig, je l'ai pré-custom en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai les. Donc, j'ai trois couleurs comme ça, donc de 58. Pour faire la couleur que je veux, je puis rappelle, je la mets ici. Plus, j'ai vu une meuf qui a utilisé pour faire la couleur, du coup, la 198. Moi, j'ai pris 196. J'ai trouvé que ça, mais ça se ressemble de ouf. Donc, en fait, je vais mélanger. Donc, je vais mettre deux tubes et je vais mettre 2-3 gouttes de bleu pour que ça fasse la couleur que je veux. J'ai raté. C'est pas la couleur que je voulais. Bon, attendez, j'essaie de... Oh, j'ai envie de pleurer. Attendez. Pourquoi j'ai sorti acajou? Genre là j'ai une perruque acajou. Je voulais ginger. J'ai respecté le tuto de la fille. Pourquoi ça a pas fait, putain? Bon, je vais lisser. Je vais faire une coupe, peut-être ça va faire bien. J'ai envie de pleurer. Les filles, voilà la wig. Vous voyez la couleur, c'est vraiment pas ce que je voulais, mais en fait. Au soleil, c'est comme si j'aime bien. On dirait un marron, enfin un acajou quoi. Donc j'ai fait des boucles là. J'ai mis les pinces comme ça, ça va tenir, du moins, j'espère. Donc j'ai déjà tout fait. Je vais ranger tout mon bordel. Il est déjà 17h. Ok, j'ai rien fait, j'ai toujours pas filmé. Donc là, je vais me coller la wig, me maquiller. On descend avec ma soeur, on va faire des photos et on va filmer le carrefour. On va chercher des sushis, après on rentre et après c'est la fin de journée pour moi. Vous voyez que c'est très très épuisant. J'ai pris grave du temps alors que j'aurais pu optimiser mon temps. La couleur en vrai c'était même pas nécessaire, enfin, j'ai trop la rage. Mais voilà, les journées quand je tourne, vous voyez que c'est très très long. Quand ben, ça me prend toute la journée en fait. Après le soir, moi j'aime bien rentrer et faire direct mes montages, donc en fait je dors pas. Et le lendemain, je vais me réveiller un peu tard. Mais bon, demain, j'ai des trucs à faire, donc il faut que je me réveille tôt. Donc voilà, enfin bref. Ce qui est sûr, c'est que là, les filles, on va se maquiller, on va se coiffer. Et je vais vous mettre tous en accéléré. Et après, on s'attrape
tout à l'heure pour le carton. Enfin, quand je vais filmer avec ma soeur. Voilà, bisous à toutes! J'ai fait une coupe courte comme ça. Là, je vais juste me maquiller, faire mes sourcils et tout. Et là, après, c'est bon, je suis prête. Moi, voilà, je suis prête. Là, ma mère, elle nous a envoyé chercher. Voilà. Je vlog. Là, ma mère, elle nous a envoyé chez. En fait, la couleur, ça fait bien, en fait. Je vous jure, je suis trop belle. Ma mère, elle nous a envoyé chez chercher mon neveu. Ah, le fils de ma grande soeur Fifi. Il est chez la nourrice. Ma mère devait récupérer, mais elle n'a pas eu le temps. Du coup, voilà, comme c'est là, je dois me dépêcher. Et puis voilà. Voilà, vous en pensez de la couleur, du coup. En fait, on dirait, c'est trop bizarre, mais on dirait moi, on dirait pas moi. On dirait moi, mais ça me va bien. Dala, t'aimes bien? Ah non, mais tu me fais. Ah si, Dala, je te vlog. Hein. Si, si. T'aimes bien ou pas, du coup, ma chérie? Merci, ma puce. Et là, du coup, on va chercher mon neveu. Ensuite, on va. Waouh! Ensuite, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire ma vidéo. Et après, on va faire des photos. Et après, on va aller manger. Mais on peut aller. Ouais, bon, on va s'organiser comme on peut. Et donc, voilà. Donc, pour les filles qui m'ont demandé, les cheveux viennent de chez ICR. J'étais en 24 pouces, mais en fait, j'aimais pas quand c'était long. Du coup, j'ai coupé. Je voulais faire une petite coupe comme ça, un petit peu. Et du coup, je suis pas. Franchement, je suis satisfaite. Si vous voulez un tuto, vous me dites voilà, bisous, allez. On voit que ma gueule, et puis mais n'importe quoi! De filmer le carrefour, ça y est, on a fait ça super vite, de toute façon c'est vite fait. Et là du coup direction photo et après on mange. Mais en vrai les photos on peut les faire là. Hein. Voilà. Les photos on peut les faire là, non? Ouais. Bah ouais, les faire là. Voilà. Donc voilà, là on a fait nos photos les filles. Du coup on rentre, on dépose Caïs chez ma mère, chez sa grand-mère. Et après, on va aller chercher à manger avec Dala. Grosse tête, ouais. Bah... Du coup, là, avec Dala, on va aller chercher des sushis. Vous savez que j'aimais pas les sushis, mais grâce à Dala, j'aime bien. On m'a fait découvrir des sushis à l'oignon. Je sais pas c'était quoi, oignon crispy, miel, enfin, des conneries là. Et j'ai grave aimé. Du coup, voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc, voilà. Tout à l'heure. Parce qu'elle est partie chez le coiffeur. Elle est sortie comme ça. Mon Dieu, comment elle est sortie? Mais ils lui ont mal lissé ses cheveux. Oh non, elle s'est tout gonflée. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est pas possible, c'est pas ma mère. Mais ils ont mal lissé tes cheveux. Par contre, la couleur, elle est jolie. Attends, mais toi, là, je t'ai pas bien vu, moi. On dirait une folle, comment t'es sortie. Et pourquoi ils t'ont fait une mèche, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, la couleur, elle est belle. Mais t'es belle, non? C'est joli. Regardez. Parce que c'était vite fait. Attends, il est 19h. Hein. Bonjour, Caïs. Arrivé à Asian Time avec... C'est trop bête. Donc là, on va prendre des sushis. Comme j'ai dit, j'aime pas les sushis. Des quoi? Des sushis. Mais des sushis. Des sushis. Des pas des sushis. Des sushis. C'est pas bref. Là, de base, moi j'aime pas. Donc là, c'est Dala qui va me conseiller les sushis que je dois prendre et tout. Ah non, arrête, quand tu vas pas aimer, je vais dire c'est ma faute. Bah quoi? Mais oui, mais je sais que je connais pas. Tu peux m'aider? Il y en avait juste un que j'ai aimé. Sinon, de base, je mange pas ça de base. Mais là, on dirait c'est comme si j'aime bien. Et celui que t'avais goûté, il était à l'avocat. Hein. Non, tu l'avais goûté en fromage. Bref, donc là, on y va. C'est parti.
de l'arrivée à la maison. Donc moi j'ai pris des ça. Je sais même pas si ça s'appelle des sushis, mais c'est des sushis. Voilà. Ensuite j'ai pris du riz curry coco. J'aime trop moi le curry coco. Après, oh ça a coulé purée. Vas-y mon fils. Voici mon coquilla. La cookie. Et enfin, parce que je suis fan perle de coco, c'est ma vie. Donc voilà. Moi j'ai le droit à quoi? À moi. Ah non. Ta fille. La beauté de ta fille. Ah, je te vois tous les jours. Ok, donc voilà. Je vais manger. Bon appétit à moi. Vous avez vu comment se passent mes journées quand j'ai des trucs à faire. Donc aujourd'hui, je devais filmer pour la marque de cheveux. Ensuite, je devais faire des photos pour la marque. Ensuite, bah, j'ai le montage à faire, forcément. Après, j'ai. Bah, en fait, vous avez vu ma journée quand bah, j'ai des choses spéciales à faire. Bah, c'est tout le temps comme ça. J'ai jamais le temps. Je mange jamais à midi. Je mange une fois. Et après, c'est fini. Donc là, comme vous avez vu, j'ai filmé toute la journée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis préparée pour filmer. Et donc voilà, vous voyez que en fait c'est vraiment un boulot parce que on finit tard. Bon après j'ai commencé tard, hein. Je suis sortie chez moi à midi je pense. Mais donc bah voilà les voilà bah voilà donc mes journées en tant que influenceuse. Et donc voilà là il est 21h30, j'ai fini de manger. Bah là du coup moi c'est un petit moment où je me retrouve avec ma famille où on discute, où on rigole. Après je vais me laver et faire mes montages et voilà ma journée est terminée. Donc voilà donc pour tout ce qui est des cheveux les finis, je vous mets tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et je précise. Oui pour la perruque je fais vite parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Bref donc pour la perruque j'ai custom. Ok, j'ai coupé parce que j'ai en fait je vous avez vu que bah, je sais pas, je n'aimais pas quand c'était long, je voulais du court pour changer. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai fait la coloration, j'ai trempé dans l'eau d'abord, d'accord, pour que tout soit uniforme. Et ensuite, j'ai refait la couleur à la main. Donc voilà, parce que j'étais quelqu'un qui voulait me demander. Donc j'ai trempé dans l'eau le Adore avec 7 gouttes de bleu, 196. Ensuite, j'ai mis à la main, donc j'ai mis 7 gouttes encore de bleu et j'ai mis tout le tube à d'or et après j'ai mis sur ma tête et voilà ce que ça a donné. Donc voilà, pour tous les mèches, j'ai rien à dire, hein. Elles sont de toute façon ICR, c'est la meilleure compagnie. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, vous aurez tout en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kiss! Go bicycle, tim tim tim, go bicycle, yo, go bicycle, tim tim.